Salut tout le monde! Oh my god! Wow! Pop le champagne! Ok, c'est pop the champagne, motherfucker! Oh yeah! Popping the champagne! Yeah! 649 at the Chinese tap, motherfuckers! Hey, bienvenue tout le monde au spécial 50e dans ce bar le casque. Yeah! 54e! Yeah. 54! On est tous dedans. Bienvenue au petit malheur, tout le monde! Les petits malheurs! Avec mon co-animateur, Nathaniel Soulard-Lessard. Bonsoir! Bon matin! Bonjour! Bienvenue au petit malheur! Le podcast avec le changement de journée le plus crédible du Québec. Autant crédible que le jeu du Lugaro, parce que j'ai mis ta joke. Ouais, c'est ça, c'est les changements de journée du petit malheur sont aussi crédibles que les changements de journée du Lugaro. Hey, merci, en passant pour le. Que le changement de journée. Ok, je viens de le cacher, c'est bon. Ouais. Fait que c'est moi qui anime, je pense. Ben oui, c'est toi qui anime, mon gars. Ben ouais, oublie-moi pas. Fait que bienvenue au le petit malheur. Ben oui, yeah. On fait une petite parodie de notre ami Chuck. Hein, mon job? Ben ouais. On rentre dedans, un grand coup de poing sa gueule. Ah yes. Oh, ouais, il est bien mieux de pas se pointer ici. On parle dans l'huile de palme. Hey. T'attends, il est bon avec nous. Oui. Fait que. On explique-tu comment ça va se dérouler? Ouais, je pense que ce serait mieux de prendre la relève. Bon, parfait. C'est que c'est très simple. Le podcast, ben, on va le faire en plusieurs jours cette semaine. Fait qu'on va se réunir demain, après-demain, jusqu'à vendredi, tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, c'est lundi. Entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Exactement! Avec tous nos c'est problèmes. Lundi. Yeah! Yeah! Fait que c'est lundi. C'est lundi matin, fait qu'on boit. Exactement, le champagne, on n'a pas de jus d'orange cette fois-ci, mais... Ben, c'est pas grave, c'est le soir, on n'a pas besoin de mimosa. Non, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ouais, le jus d'orange dans l'alcool, c'est juste quand le soleil est levé. Oui, en seconde, absolument. Si tu fais noir, t'as plus besoin d'être... Oui, bon, oui, parfait, oui. On n'est pas à Hawaii, maudit bon Yann. Ce qui va arriver, c'est qu'on va piger des sujets. Il va même avoir des sujets blitz. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas non plus la différence avec les sujets normaux, mais sont blitz. Oh, wow! Est-ce que c'est genre blitz comme dans Blitzkrieg? Ouais, bah, oui, okay. C'est que toi, tu vas clairement être le co-animateur un peu edgy qui vient toujours genre alourdir la discussion. Je peux faire cette job. Genre Cameron. Moi, je peux-tu être la fille, je l'aime bien. Ouais, ok, exactement. Ok, je vais essayer de pas avoir un son de tapette quand je parle pour imiter une fille. Ça, c'est toujours insultant. Tu vois, ça va bien. On avait un bon mot. Sacrément. C'est une joke. Ok, c'est une joke. C'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Vanessa est une sainte femme. Bon, voilà. Je voulais pas. Je t'aime. Aïe, 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 aïe. All right. Bon, c'est qu'on va piger des sujets à chaque jour. Et comme j'ai dit, bon, des blitz. Et il va aussi avoir des chroniques parce que ben, ça reste quand même. C'est ça qu'on fait. Si peu. Un peu rage de casse. J'ai quand même travaillé là-dessus, moi, tabarnak. Oui, pas moi. Vous avez des questions en masse. Ben, on commence avec lequel On peut commencer avec un beau sujet pour commencer notre spécial. Ben, ouais. Yeah. Ça fait que. Ben, Phil, pige un sujet. OK. Stop. On a du temps à faire, là? Ouais, Chris, c'est un podcast, là, quand même. Là. C'est pas une émission de radio, là, Chris. OK, le sujet de cette semaine, d'aujourd'hui, en fait, la violence faite aux personnes âgées par leur propre famille, à partir de quand tu peux dire « Ouais, mais en même temps, ils méritent un peu. » Quand est-ce que... Moi, je dirais... Ça peut être des proches que vous avez, vous. Ça peut être des gens que vous connaissez. Mais moi, je dirais à partir de 80 ans, tu sais, honnêtement, les personnes commencent à devenir lourdes, puis tu sais, leur vie raccourcit aussi, fait que je pense à cet âge-là... On peut commencer à dire qu'on s'en croit. Ouais, t'approcher-tu un peu. Mais j'aime ça parce que moi. Je pense que la vie humaine vaut moins. Moi, au début, je me disais, est-ce que ça va être juste des raisons, à partir de quelles raisons ou qu'est-ce que cette personne-là a fait à ses enfants que tu peux dire, ben, ses enfants ont le droit de le tapocher, mais j'aime ben, que tu apportes l'âge. Plus de toi, là, ou des enfants de même. À seconde, ils mangent plus tout seul.
Moi, j'aimerais dire que, considérant le fait que les gens, les personnes âgées ont tendance à souvent devenir complètement folles, du moment où elle se souvient plus trop de ce qui se passe en matinée rendue à la fin de la journée, tu peux probablement genre la taper un peu. Oui, t'as tapé un peu d'un côté, et nous, à cet âge-là, ils font des bleus dans le lit. Fait que, ben oui, ça devient facilement accusable. Bingo! Faut juste pas que tu lui casses une hanche. Souvent, là, ça signe leur arrêt de non, mort. Non, non, ouais, non. Parce que le... Ben, le truc, c'est que tu donnes des tapes. Des tapes, ça... Le... De bon, moi, ce que cul, j'aime le tapes, plus... ça pince, hey, ça brise pas. On surveille notre langage. Ah, ouais, mais excuse, mais... on se calme. Il y a des enfants qui écoutent quand même. Excuse aux gens de la France qui nous écoutent. Hey, regarde. On m'informe sur Twitter que c'est inexcusable. En tout cas. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est quand ils sont encore lucides. Ils sont juste comme incapables. Ça fait qu'ils te regardent avec des yeux de « S'il te plaît, arrête! » Ouais, c'est un petit moment que tu peux savourer. Un petit moment crunchy, là. Un petit moment de lucidité, pas genre dans tout ça. Ouais, quand même. De terreur et de folie. C'est-tu toi, Olivier? Oh non, hein? Pourquoi tu frappes, là? C'est malade. Oh, oui. Non, ah, c'est tes bouts préférés. C'est comme le petit d'Olivier, hein, pareil. Ah oui, c'est pareil. C'est comme le moment où tes enfants gratter sa porte quand t'es gaz. Je suis sûr que c'était le moment un peu crunchy qui te rappelle plus. Ben oui, ils faisaient leurs ongles, tu sais tout. On aura beau dire ce qu'on veut, quand même bien qu'ils nous disent qu'ils se lavent une fois par mois, on s'en calisse tout. Tout le monde agit comme s'il était offensé quand ils apprennent qu'ils prennent genre un bain par mois, puis il n'y a pas personne qui se porte volontaire pour aller donner des bains là-bas. J'avoue que le proche, c'est genre, hey, là, ça n'a pas de crise d'allure que mon père soit lavé une fois par mois. Oh, ben, lavez-le, madame. Ben là, c'est dégueulasse. Ben là, je laverai pas mon père. Voyons donc. Je ferai pas ce qu'il m'a fait pendant que j'étais petite pendant 50 ans. Regarde, j'ai assez mastiqué sa graine, style. Oh non. Hey, déjà que moi, je vais pas le voir, tabarnak. C'est qui va s'en occuper? Il est tout seul, style. Marco apporte quand même un bon point. Si tes parents t'ont agressé sexuellement quand t'étais jeune, je pense que t'as le droit de les battre dès que t'as comme la supériorité physique pour le faire. Dès que t'es rendu un adulte. Ouais. J'aimerais ça avoir une toute fâchée qui va voir l'infirmière et dit « Mon père, il vient de se chier sur le sac! » OK? il a la bourse pendante. À chaque fois qu'il chie, il y en a ses gosses, calice. Y a-tu moyen d'avoir du service? Ah, ça serait bon. Hey, mais là, vite, le temps nous rattrape. Oui, écoute, je pense qu'on va y aller avec la chronique à fil parce qu'en tant que bon podcast, Steve, faut faire un pas plus ben oui, qu'une demi-heure par jour. On a juste le format télé. Ben oui. OK. Je vais essayer de faire vite. Aujourd'hui, un autre top 10. J'ai le top 10 parce que j'aime beaucoup la porno, mais j'aime beaucoup les films où est-ce qu'on parodie des vrais films. Top 10 de mes parodies porno préférées, dans le fond. Pour vrai. Ouais. Attends, excuse-moi, Phil. Avant que je n'aille pas. On n'a pas le temps. Non, on a le temps. Faut passer une annonce en passant. Juste passer une annonce. Ah, OK. Hey, tu es capable de conduire, toi? Ouais. Ça paraît pas. Bon, c'est bon. Bon, ben, c'était la pause publicitaire de ce podcast. Ah oui, la nouvelle annonce de McDonald's. Non, c'est une belle annonce du show de Jerry Allen. Oh, le Big Mac avec bacon. Ah, je pensais que c'était le Big Mac Dark. Oh, vous avez pas vu ces annonces-là? Okay. Non, j'ai tout monde est malaisé. Non, c'est pas vrai. C'est ouais, quoi? Je sais pas, c'est... Bon, OK. Je suis confus. OK! Donc, le top 10 de mes parodies porno préférées, je vais commencer avec le premier, c'est Schindler's Lost, qui est... Lost, ça veut dire... En fait, si on voudrait le traduire, c'est les désirs sexuels de Schindler. Il est absolument immonde. C'est dégueulasse. Je peux pas croire que ça a été fait. C'est dégueulasse. Mais ça de quoi ça a l'air? C'est en fait ça fond en noir et blanc. De quoi ça
De quoi ça ressemble, en fait? Le réalisateur, ben, il essaie de nous amener dans ce qui semble être sa vision des camps de concentration, c'est-à-dire un Hooters à pointe aux trempes. Moi, je trouve ça d'excellent goût. Vous vous laisserez, d'ailleurs, transporter dans un univers où le manque de budget est un atout pour les fervents amateurs de frapper sur sa vieille télé cathodique escrossante. Est-ce que le film au complet est en noir et blanc? Il est en noir et blanc, puis il est absolument mal fait. Puis il y a juste la petite serviette, genre, qui utilise pour laver le sperme qui est rouge. Je n'ai pas vu le film en tant que tel, mais okay. Il est en noir et blanc. Bon. Il est d'extrêmement mauvaise qualité. Ben, c'est... Ça m'a coupé une crossette, mon homme. Je n'ai pas été capable de finir. Je te jure. Au numéro 9, pour continuer, on a Scooby-Doo, la parodie sexy. Mais Dieu merci, il perd Scooby-Doo au début. Là, il n'y a pas de chien dans ce petit film-là. C'est cornemuse, c'est-tu qui se fait fourrer, genre? Non, faites-vous-en pas. Honnêtement, je l'ai pas vu, mais je suis sûr que tout le monde a des noms porno, puis je me suis juste imaginé la fin où est-ce qu'il démasque le fantôme pour s'exclamer tous en cœur « Mr. Sack-Cock-Gag! » Oh my God, c'était lui tout le long! En tout cas, j'aimerais ça que ce soit ça qui se passe. Pour poursuivre au numéro 8, je suis sûr qu'il y en a qui savent ils vont savoir de quoi je vais parler. C'est Edward Penis Hand. Non. Qui est noir aux mains de pénis. Non. Je vous le jure. Oui, évidemment, ça parodie Edward aux mains d'argent. Il y a quelqu'un qui s'est dit Christ, une hostie de bonne idée pour être ensuite abattu avec une violence inouïe. J'aimerais ça que le gars, genre, ce soit juste, mettons, du monde avec des morph suit vert, genre, pis qui fait juste crisser leur pénis en avant de ses doigts, genre. Vraiment des vraies graines, genre. En fait, ce qu'il y a, c'est des prothèses pénis, ses mains. Dans le fond, c'est des dildos qui est au bout des doigts. Exact! Ouais. Il y a juste deux hosties de gros dildos, un dans chaque main, tu sais. C'est sûr qu'il y a au moins une scène où il essaye, en tout cas, de doigter, genre, quatre filles avec ses dildos. Non, il y a un pénis par main. Oh, c'est un gros! Il y a un énorme pénis par main. C'est comme les pieds de l'ami de Brice Denis. Oui, exact. Exactement. Oh, wow. Il y a une scène que j'ai pu voir qui est vraiment drôle. Tu sais, la scène où est-ce que, je sais pas si vous avez vu le film, où est-ce que Edouard, aux mains d'argent, il se fait inviter chez une famille, puis ils ont un souper entre eux autres, mais il y a de la misère à manger à cause qu'il y a des ciseaux sur ses mains. Ben, et c'est la même scène avec du spaghette puis des pénis. Fait qu'il essaie de manger son spaghette puis de se le mettre dans la gueule. Il y a juste deux pénis. On dirait que le réalisateur a fait non, je touche pas littéralement au pénis avec ta bouche. C'est pas un porn gay en ce moment qu'on fait. OK? Un peu de décorum, calice. Attends, il touche pas au pénis avec sa bouche. Il essaie de grab le spaghette. Ouais. Puis il drop juste avant de se le mettre dans la gueule. Exactement. C'est pas capable. il peut pas grabber, en fait. Il a handicapé. Oui. Non, mais c'est difficile quand même pour lui. Mais le film a quand même une morale. C'est quand la vie te donne des citrons, fist-fuck des madames avec tes mains difformes. Ça a l'air, tu sais, il faut pour tenir ça. J'avais vu un vidéo qui s'appelait Penis Animal. Puis en gros, c'est une fille qui marche genre sur le trottoir, puis à un moment donné, elle se retourne, puis il y a comme un esti de gros monstre avec des tentacules. C'est-à-dire, genre, juste une espèce genre un dude avec un cylindre autour de lui, puis ils ont mis du tissu, puis il y avait comme des espèces de tentacules avec des dildos. Il poquait la fille avec ça, genre. Puis il y avait comme une grosse bouche avec une langue, avec un dildo qui sortait. Puis en gros, la fille, où elle fait semblant d'avoir peur en se rapprochant, puis en se mettant à sucer le dildo. C'est vraiment la chose la plus weird. J'ai jamais compris. Dans les scènes... Puis c'est pas quelque chose que j'affectionne, je vais juste mettre ça au clair, là. Mais dans des scènes où est-ce qu'il y a une espèce de viol simulé, là... La fille a jamais de dents dans la gueule. Hein? Non. C'est juste ça que j'ai à dire. Attends, je pense que... J'ai trouvé l'image du fameux mangeage de spaghettes avec deux pénis. Puis c'est que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est quoi t'as tapé sur YouTube? Sur Google, si le monde veut le voir. Si vous voulez chercher à la maison, Edward Penisson, allez dans Google. Puis c'est en première rangée, vous allez le voir. Il y a du spaghettes et des pénis. On dirait deux mognons. Ouais, on dirait effectivement deux mognons. Puis l'affaire, c'est que ça a été réalisé dans les années 80. Fait que qualité d'image, qualité d'effets spéciaux, tout fait vraiment que tout a de l'air sale. La plupart des films on dirait un clip de The Cure. La plupart des films de mon top 10 vont être dans les années 80-90 à peu près, juste pour vous mettre en contexte. Mais, okay? Parfait. Home Alone, ce serait malade. Pour continuer, on a... C'est Home Alone. Ça serait de la... Pour continuer, au numéro 7, on a Foreskin Gump. C'est quoi? Au numéro 7, on a Foreskin Gump. Foreskin Gump. Nice. Oh. Qui est, dans le fond, Prépuce Gump, là, dans le fond, là. C'est...
Ouais, une petite parodie de Forrest Gump. Ouais, le film Bono qui s'est basé évidemment sur Forrest Gump. Au début, c'est la même chose. Il y a la mère de Forrest qui baise le directeur pour qu'il puisse rentrer à l'école normale. sauf que dans celui-là, ben là, il n'y a pas un jeune déficient qui crie sur le balcon. Ah ouais. Et ça, ils l'ont, ma maman s'est toujours assise sur mon visage. malheureusement, il n'y a pas de scène au Vietnam. Ça, j'aurais aimé ça. J'aime bien ce décor-là. Mais il y a tout de même quand même la phrase fétiche qui est devenue comme Forrest Gump. Évidemment, ça, c'est pas... c'est une délicieuse trouvaille du scripteur. si vous vous demandez, ils ont vraiment pris un Forrest Gump avec un prépuce, comme son nom l'oblige. Puis le pénis du sergent Dan fonctionne à nouveau avec la magie du cinéma. Oh, wow! J'ai eu une belle image quand même qui aurait pu être exploitée au Vietnam. Tu sais, quand il court en se rendant dans la forêt, puis ça fait. Genre, il tombe à quatre pattes en faisant quelque chose m'a piqué les fesses. Ouais, ouais, ça, ça aurait été une belle occasion d'avoir du sexe anal. Ouais, mais ça aurait été un peu gay. Ben ouais, oh, Chris, un peu gay, porn de temps en temps. Rien de mal là. Ben non, ben non. Ça, c'est comme ça. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, quand tu t'attends à écouter un film genre straight, ça surprend au minimum. Ouais, surtout les années 80. Ouais, c'est comme l'avance. Come on, c'est comme dernièrement, genre, dans tout le lot de vidéos de porn, tu sais, de porn up, il y en a souvent un, je sais pas pourquoi, mettons à deuxième page, en plein milieu, que c'est une fille avec un strap-on qui fourre son chum. Ça, c'est, ouais, classique. C'est parce qu'il se rappelle de ton historique, Nat, tu sais, c'est même ça marche. Ouais, moi, je me fais blindside à chaque fois. Ouais. Je suis comme Chris, un strap-on. Oh! Mais ce qui était weird, c'est à ce je pense qu'ils l'ont enlevé, là, mais genre, pendant un bout, mettons, tu scrollais, puis là, tu descendais, puis là, tu changeais de page, puis t'arrivais, mettons, à 4-5e page, puis là, une manée, t'avais des astuces d'affaires de genre de shemale qui se font sucer, genre, par un gars, genre. Puis là, t'arrives, t'es juste en train de checker toutes les images, puis tu tombes là-dessus, t'es comme, Chris, je veux pas voir ça. Au moins, mettez-les, genre, à part, ouais, là. Ouais. Aïe, ah, les gars, ouais, si vous êtes puritain. Ouais. Ben, évidemment, j'ai rien contre deux gars qui s'embrassent, mais deux gars qui sucent, je suis pas prêt encore. Qu'est-ce que tu penses, c'est bon, mon vrai? Peut-être un jour, là. Mais... 35 ans. Non, mais peut-être qu'un jour, je vais être assez ouvert à l'esprit pour regarder. Il ben, y a rien là, mais genre, ben, je suis pas encore rendu là. T'as pas à être là de toute façon, là. Je vois pas c'est quoi le dilemme. Ben, je sais pas. T'es juste qui met de la pression. Ouais, mais là, as-tu déjà regardé une fille qui mangeait une autre ploune? Oui. Non, je trouve ça dégueulasse. Je pense que c'est un peu sexiste. Moi, je trouve que c'est contre nature. Dieu nous a mis notre tête sur nos épaules pour une raison. Ah, okay. Moi, je ferais un threesome avec un autre homme. Ouais. Ben, ouais. Ben là-dessus, on va continuer. On va continuer. Au numéro 6, on a The Texas Chainsaw Vibrator. Yeah. Ouais, c'est comme le vrai. En fait, on n'a pas le goût de se crosser pantoute en le regardant. C'est absolument pareil là-dessus. C'est l'histoire d'un estime malade qui, sans aucune pitié, masturbe des jeunes demoiselles. Ouais, c'est assez peur. Il fait ça à l'aide d'un dildo relié à un backpack. C'est vraiment weird comme combinaison. C'est comme... Ouais, c'est comme genre une méga de... batterie, genre. C'est genre, ouais, Ghostbuster, mais. Il y a genre. Ouais, comme un lance-flamme. C'est exactement ça. C'est quand on regarde ça, on a vraiment l'impression de regarder Ghostbusters, mais de mauvais goût. Mais après, il arrache le vagin et il se le met dans le front. Ah ouais. Non, en fait, j'ai vu une scène où est-ce qu'ils viennent de pogner une fille, genre, puis supposément qu'il l'a tuée, genre, en la faisant venir avec son dildo mécanique. Puis avec sa femme, genre, parce que lui, Leatherface là-dedans, une femme. Les deux sucent le dildo plein de sang. C'est absolument dégueulasse. Il n'y a aucun tabarnak dégueulasse. J'imagine juste, admettons, en place de s'accrocher sur le mur avec un pic à viande, genre, c'est comme juste, il y a un butt plug sur le mur, puis genre, il y a plug dedans. Okay, puis d'ailleurs, on a interviewé le réalisateur parce que je voulais vraiment qu'il s'exprime sur ce que je venais de voir. Là. Je ne comprenais pas vraiment. J'y ai demandé, puis il nous a dit le ministre Barrette, c'est un hostie de lait. ça m'a complètement pris par surprise. J'ai comme pas compris pourquoi il m'a dit ça. Je sais pas, en tout cas. Ouais, c'est weird. Ouais. Pour continuer au numéro 5, on a un exemple de certains films qui ont été trop loin. Puis la compagnie a poursuivi la compagnie de réalisation. Bon, donc c'est le film Ben & Cherry's Peanut Butter D-Cup. C'est dans le fond le film qui parodie, OK, en gros calice de guillemets, la crème glacée Ben & Jerry's. Comment tu peux parodier de la bouffe dans un film? En fait, comment ton film pourrait avoir pour sujet de parodier de la nourriture? C'est pas des vrais poivrons, ils sont mauves. On va faire deux heures de ça. Ouais, mais t'es-tu déjà mis de la crème fouettée dans le cul avant de te le faire manger? Non. Ouais. Non? Ben, tu fais la même affaire avec de la crème glacée.
C'est ça la parodie. C'est pas hilarant comme pensée. C'est drôle en esti. En fait, c'est ça. Il y a eu une injonction par la vraie compagnie de crème glacée contre la compagnie de distribution. Il paraît que ce qui a poussé la compagnie laitière à envoyer la mise en demeure, c'est que le film a voulu donner sa twist à une saveur très connue du fabricant, la saveur cream pie. Ils n'ont pas apprécié le move. Est-ce que je peux faire une parenthèse absolument, dans ton top absolument. 10? S'il y en a qui nous écoutent puis qu'ils n'ont pas encore découvert Internet comme des épais puis qui sont juste nostalgiques. Moi, toutes les parodies sexy, en fait, même ce qui m'a un peu initié à la porn, c'est Super Écran. Super Écran aux deux... Ben, en tout cas, moi, j'étais avec Belle, c'est qu'au 203 à minuit ou minuit et demi, dépendamment du film. Souvent, il y en avait, parfois, il y en avait deux de suite. Les parodies sexy de tout ce qui est possible. Ouais. J'ai vu une fois Jerry Seinfeld. La parodie Seinfeld. Hein, pour vrai? Ouais. Ça fait aucun fucking sens. Y a-tu Jerry Seinfeld dans le... Non. Il y a pas littéralement... Jerry Seinfeld honnêtement en mettant sa carrière en jeu. J'ai vu un porn des Simpsons, genre, c'est juste du monde peinture en jaune. Mais faites attention à ce que vous dites, je veux juste être sûr qu'il n'y a pas rien qui soit dans la... C'est fini. Au numéro 4, on a Super Hornios Brothers, qui est évidemment la parodie des années 80 du jeu Super Mario. Luigi est interprété par un Nowhere qu'on connaît absolument pas, tandis que Mario Mario évidemment est interprété par nul autre que Ron Jeremy. Je pense que je l'ai vu. Fucking vu, man. Ouais, ben c'est très bon. Moi j'ai aimé ça. C'est à peu près comme les vrais Mario, sauf que dans ce cas-là, leurs deux moustaches sentent la marque. c'est à peu près pareil. Le pire, ça va être meilleur que le vrai film qui a sorti genre de Cine Mario. En fait, un film en vrai. Ouais. C'était de là. Ouais, je l'ai pas vu, mais j'ai vu la pochette puis j'ai fait bon, c'est correct. Merci. Je briserai pas toute mon enfance pour ça. Ouais, j'étais jeune en crise quand je l'ai vu. J'ai pas vu d'ailleurs dans la parodie les noms qu'ils ont donné aux personnages. J'imagine que ça doit être très cheap, là, genre Blowser, Princess Bleach, puis Tonky Cunt, genre des enfants dans le même. D'ailleurs, ils ont eu une mise en demeure de la compagnie japonaise Nintendo parce que le film comportait des cris de femmes consentantes, ce qui est contraire à la tradition japonaise. Est-ce que vous savez si Ron Jeremy a déjà été chaud? Pour qu'il y ait la carrière qu'il y a, je veux dire, show. Parce qu'il n'y a pas plus toujours... Mais non, il y a juste un gros pénis. Hein. Non, mais même, il y a grosse graine. Une grosse graine, là. Ouais, je pense... Il y a une bonne taille. Il y a une bonne taille, mais pour la porn, c'est rien d'incroyable. Ben là, il faut qu'il se la tienne, en plus. C'est ça, l'affaire. Ben c'est ça, c'est parce qu'il perd un pouce et demi juste avec ses doigts pour le retrouver. En fait, le gros problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de Viagra. Fait qu'il fallait que tu aies un acteur qui soit capable de bander puis genre de faire des scènes comme non-stop. Fait que la question pour sélectionner n'était pas genre est-ce qu'il est cut puis il est chaud. C'est est-ce qu'il est capable de garder son érection pendant genre un heure de temps puis devenir quatre fois par jour. Ouais, puis nous, à cette époque-là, j'imagine qu'il y avait moins de filles qui écoutaient de porn aussi, genre. Je pense pas. On s'avancera pas là-dessus. Fait le terrain glissant, puis il a fait non. Terrain glissant, pas là, il y a la glace calée. OK, pour continuer, au numéro 3, on a Harry Potter and the Sorcerer's Balls. Oh, wow! Qui est un film de porno gay. C'est le seul porno gay que j'ai sur ma liste. Ouais. Ça ressemble parfaitement à son homologue pas porno, sauf qu'on lance du sperme plutôt que des sorts. On retrouve des personnages similaires là, comme Voldemort Cock et Fag Hagrid. Le géant insatiable. Il peut pas s'appeler Fag Hagrid pour vrai dans le film. Oui. Oh, tabarnak! Ouais. On vous projette dans un monde où on s'assoit sur la face du choix-peau au lieu que le choix-peau s'assoie sur nous. Et ça nous amène... Ça nous amène aussi dans J'aime un le monde. Le gars déguisé en chapeau, esti. Il est couché à terre, puis bon, pour squatter leur cul au-dessus de sa face. Ouais, pis c'est. Aussi, on nous amène dans un monde où regarder une game de Quidditch d'en dessous, c'est pas mal moins cher. Ouais. Imaginez s'il faisait un fucking film de porn. Genre, il nous l'annonçait. Il disait, OK, dans deux mois, on va sortir un film de porn. Puis c'est une parodie d'Harry Potter, puis tout le monde comme OK, mais que dedans, ils ont réussi à avoir la fille qui joue Hermione. Emma Watson, on s'en crise des ordres. Ils ont juste réussi à avoir Emma Watson. À quel point
tout le monde l'écouterait. Tabarnak, ça serait con. Même si c'est pas pour se masturber, genre. Alors, Chris. Non, mais tu masturberais-tu, mais avoue que tu. Peu importe, tu ferais. Je dois voir ce film-là. Oui. Genre, des freaks en calice feraient comme. Hein? Je dois voir ce film-là. Il faut que je voie sa petite plotte. Oh, okay. Non, mais est-ce que vous avez. Non. Non, mais les gars. Est-ce que vous avez. Le petit malheur! Tu as continué, Nat? Ouais. Continue. Non, mais je vais faire une intervention par rapport à Emma Watson. Est-ce que vous avez entendu parler des deepfakes? Il y a du monde qui utilise des intelligences artificielles pour prendre, dans le fond, les faces d'actrices connues, puis genre les taper sur des vidéos de porn, genre de haute production. Puis genre, l'affaire, c'est que c'est. Genre, moi, comme tout citoyen averti, je me suis dit, c'est peut-être des fake news. Fait que je suis allé faire mon enquête moi-même. Mm-hmm. Puis effectivement, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont vraiment capables de genre, tu vois pas quasiment la différence. C'est impressionnant. Quand il y a eu le gros. Cherchez ça. Quand il y a eu le gros. Tu sais, il y a eu. Jennifer Lawrence. Quand ils sont fait taquer, puis c'était comme toutes les stars étaient rendues là-dessus. Ben, tu sais, t'as Jennifer Lawrence, t'as la fille qui jouait avec Chris Pratt dans son émission. Et Queen Latifah. Non, mais sûr. Audrey Plaza. Exactement. Puis là, je me suis dit, Chris, on va trouver d'autres, tu vois, ce sont là. Puis il y en a énormément, dont, mettons, Miley Cyrus, Emma Watson, qui sont. C'est pas réellement eux, mais ils ont juste crissé leur face dessus. Puis si. Le sachant, c'est moins hot. Non, mais tu le sais, mais c'est. Tellement bien fait pour vrai. Là. C'est ça, parce qu'avant, tu voyais qu'il était fait avec une photo, avec genre Photoshop, c'était quand même possible. La peau était pas la même. Ouais, c'est ça, t'avais comme des petites différences de même, sauf que là, à ce temps, ils sont capables de juste carrément utiliser une intelligence artificielle pour prendre la face de la personne puis la mettre dans une vidéo. Genre, fait que tu peux avoir une vidéo de 15 minutes où est-ce que là, ils vont t'avoir scotché la face d'une actrice. Là, moi, j'avais vu. La fille qui joue dans Star Wars, puis aussi Gal Gadot. Leia. La vieille, non, elle, dans les Carrie nouveaux, Fisher, dans les nouveaux Ray. Ouais, celle qui joue Ray. C'est quelque chose de Ridley. Ouais, qui est chaud dans tabarnak. Ridley Scott. Mais allez pas voir ça parce que c'est vraiment pas éthique. Là. Mais moi, j'en ai pogné un puis il était juste pas bien fait. Là. C'était vraiment de la marde. Là. Ah, d'où j'en ai trouvé mieux. Ah, ok, bon. Ah, oui, il y a beaucoup mieux. Mais c'est vraiment pas éthique. C'est beaucoup mieux. Pour continuer, on a le. Pour continuer, au numéro 2, on a. Hey, Phil, ben merci, ça va être tout pour aujourd'hui. Bon lundi, les gars, faut vraiment finir ça là. Coupe. Ça fait que. Ben, à demain, tout le monde. Coupe ça,